Seigneur, viens à mon aide. Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs.
Pour lui des fils adoptifs par Jésus.
Communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand la gloire se révélera. Si l'on vous insulte à cause du nom du Christ, heureux êtes-vous, puisque le Christ de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Joie pour les saints qui ont suivi le Christ. Ils ont versé leur sang pour lui. Avec lui, il règne à jamais. Réjouissez-vous tous les saints en présence de l'agneau. Pour vous, le royaume est préparé depuis la création du monde. Alléluia. Nous souvenons cette fin de journée du repas où le roi des martyrs offrit sa vie pour nous et de la croix où il remit son esprit à son Père. Disons-lui notre amour. C'est
Toi qui nous as aimés jusqu'au bout, tu es la source du courage, le modèle des martyrs. Loué sois-tu. Toi qui appelles tous les pécheurs et leur offres la vie, loué sois-tu. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Toi qui as confié à ton Église le sacrement de l'Alliance nouvelle pour la rémission des péchés, loué sois-tu. Toi qui nous donnes aujourd'hui la grâce de la foi, loué sois-tu. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Toi qui associes nos frères défunts au mystère de ta passion, loué sois-tu. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Dans les saints Corneille et Cyprien, des pasteurs dévoués d'invincibles martyrs. À leur prière, fortifie notre courage, fortifie notre foi et accorde-nous de travailler avec empressement pour l'unité de l'Église. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.